Regarde les tableaux à gauche. Ok, alors ça c'est Steve. Moi il me manque tous mes chicots! J'ai mal! Ah, de toute façon, Je je vais aller peux. le dentiste! Je fais un mal de chien! N'hésite pas à mettre un pouce bleu, ma couille! Mon boîtier de capture il marchait plus, alors j'ai dû redémarrer. Ah, et toute cette technologie qui ne sert finalement à rien. Ta gueule, vas-y, tu t'ailles. Ok, je vais me faire enculer. Wake up in the morning. Wake up in the morning. J'ai peur que tu me fasses tout casser. Oh non, mais j'ai... moi, j'ai... tu m'as déjà vu casser des choses. Eh, y'a un truc que tu casses souvent, là. Les couilles. LOL. Est-ce que tu veux que je te fasse un synopsis aux oignons? Je vais en avoir un de toute façon en lançant le jeu. Ouais, mais le mien, il sera mieux. Et après, tu pourras les comparer, tu pourras dire, ouais, c'est vrai que le tien, il était mieux. Ok, vas-y, alors, fais-le-moi. En fait, c'est un peintre. Il a trop pris de la drogue, lol. Comme tous les artistes, ils sont trop perchés, MDR. Il est trop torturé et trop dark. Voilà. J'entends, j'ai le son. Ah. J'ai le son. T'as le son. J'ai le son. Alors, pardon, alors je referme. On va faire vas-y, recommence le let's play. Alors. Alors c'est ici. Elle est quand même bien torturée si c'est du café. Ah oui, ça, il faut regarder les tableaux, ils sont très drôles. C'est là, c'est un bébé enlevé par un aigle. Ouais, d'accord. Et apparemment, il fait la gueule. Hein. Et je crois qu'il cueillait des cerises. Peut-être les cerises de l'aigle, d'accord. Désolé, je voulais prendre les cerises, mais finalement, j'ai tout pris. Ok, alors là, c'est un vieux journal. Alors, on va tout lire. Ça commence par là. Et on va tout traduire. Hop. Et si tu l'as gardé, ce bout de journal, est-ce que cet artiste, ce serait pas toi? Mais c'est chez moi? Ah non, je t'ai spoilé. En fait, t'es l'artiste. Ah l'enculé, putain! T'es vraiment un gros con, moi, je savais pas qui j'étais! T'es le petit enfant qui a été pris par l'aigle, là. Ça dit déjà que t'es un artiste à succès. T'as l'étude et la fame. Je suis torturé, mais j'ai du succès. Ah oui? Alors, de la vaisselle. Ah, intéressant. Je détestais cet homme. Ouais, ça c'est bizarre. C'est moi, ça? Toi qui vas me spoiler le jeu? Alors là, je ne sais pas. La musique est très jolie. Bah ouais, c'est ça aussi, Terra, c'est qu'elle fait vraiment plaisir. Ah, ça. On peut bouger! Oui, tu peux bouger. Mais tout prend son sens! Ah non! Popeye! Girl. C'était le bracelet de Popeye. C'est juste un bracelet, quoi. Y'a rien de. Chien. Est-ce que t'aurais pas tué ton chien, sale enculé? Moi, je mettrais ce genre de bracelet. Ouais, j'avoue. C'est vrai qu'après réflexion, ça peut être un collier de chien. Oh là, j'ai dû mettre dans les yeux. Si je me concentre vraiment, peut-être que je verrai plus loin. On voit pas grand chose, hein. J'ai pas une petite bougie à prendre. Ouais, j'ai voulu faire le ouf pour avoir un peu peur. Ah ouais, là on voit bien. Ah ouais, d'accord, bah je vois carrément les taches. Ah ouais, bah ok. Ouais, hey wow, regarde ça. Ouais. Monsieur, je n'ai pas touché à l'atelier. Eh, on dirait les mecs qui font des let's play et qui lisent tout. L'autre fois, j'ai regardé un let's play de Jiloel sur sa nouvelle chaîne gaming et pendant 2 heures, il lit tous les dialogues du jeu. Et crois-moi, c'est un jeu avec beaucoup de dialogues. Je suis content de savoir déjà que tu regardes des let's play de Jiloel. Putain, les clés sont sur le bureau. Où est le bureau? Ah ouais, déjà que je vais pas y aller ici, on est c'est d'accord. C'est le bureau en bas ou ouais. Le déjà, bureau n'est pas là. De toute façon, ça va pas me faire peur au début du jeu. Ah, à quoi je ressemble? Ah ouais, quand même. Ah, c'est le genre de jeu où ils ont la flemme. Je suis vraiment, tu vois, torturé de ouf. Tellement torturé que tu te vois pas. Attends, mais c'est quoi ça? Tiens, il est derrière toi ou pas? Bouh. Pas ce que c'est. Je comprends pas du tout. Ah. En fait, t'es représenté par une petite lumière. C'est ton arme. Une prothèse de jambe. Oh là, d'accord. Comment ils ont pu réussir à foirer la longueur? Ça veut dire que je vais avoir un ennemi avec une jambe trop petite. Oh, putain, le bruit des placards. Ça fait peur ça déjà. Ça donne pas envie de les ouvrir. Des fois, quand je me lève le soir pour aller manger, je n'ose pas ouvrir les placards. Ça, si je fais ça chez moi, la voisine, elle me nique. C'est quoi cette cacophonie? De toute façon, je vais pas tout ouvrir. Je veux dire, j'ai pas d'intérêt à fouiller. Je sais pas. Est-ce que t'as trouvé un truc utile dans les placards? J'ai trouvé des photos. Ah oui, des photos avec des gens rayés. Ah. Ah. Au moins, je suis pas un vampire. Qui conserve ça là-dedans? C'est le cellier. J'ai pas de cellier, moi. J'aimerais bien pour. Oh. Quoi? What? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, il y a ça qui apparaît. Ok, l'heure doit être importante. Eh, une horloge brisée, souvent c'est mauvais présage. Hein. Manque plus qu'un chat noir. Alors, c'est vraiment il est quelle heure? C'est vraiment un let's play des plus bas. Hein. On cherche la symbolique dans les objets et tout, on est vraiment les pires. Arrête de les ouvrir! Attends, on commence. Ah, regarde! Ah, tu vois? Tu vois, c'est quand même quelque chose, non? Tu vois, tu fermes ta gueule maintenant que. Hein ouais. Ah! Non, en vrai, casse-toi, quoi. Dégage. Attends. Ah, tu trouves ça normal, toi?
Et bim. C'est qui se bat. Ouais, nu. Ah, lui, c'est une monte, ça. Alors lui, des fois, tu vas le voir, il est trop cool, c'est un bébé barbu. Ouais, c'est un bébé vieux, c'est immonde. Ah, mais celui-là, il est vraiment dégueulasse. En vrai, celui-là, il est... Je suis le bébé loup. Il a les yeux tout noirs, il regarde genre... Ok, je vais pas aimer ce jeu, je vais pas aimer, ça y est. Ça venait justement de là. Non, c'est pas lui. C'est toi qui as fait ça? Tiens, bah regarde, tu vois, c'est lui. C'est lui. C'est moi qui ai fait des bêtises. Il a un papier dans la main, mais il l'avait pas tout à l'heure, je crois, dans l'autre tableau. Arrête-toi, il avait un truc dans la main. Va voir s'il a un truc dans les mains, t'as de la chance. Ok, je commençais un petit peu à avoir peur. Lumière. Voilà. Voilà, on est bien là. Ah, il y a forcément une ampoule... Ah. Putain, mec, gang, tu veux pas allumer un spot, non? J'ai des clés. Ah, bon, voilà. Désolé, je vais me rattraper. Ce soir, ce sera fiesta. Et ça? Ok. Ah. Et après? Ah, à la fin, elle se réconcilie. Tu peux dormir dans mon lit et tu peux me manger. Ok. Attends, mais attends. Bah, attends, regarde. Là, attends. Il l'a déjà mangé. Attends, je comprends pas, attends. C'est pas dans le corps. Là, alors la petite va voir le loup. Elle parle au loup. Le loup mange la petite. Le loup se déguise en la petite. Non, attends, pourquoi elle est là? Ouais, elle est là. Il l'a traîné jusqu'ici. Il l'a vomi. Qu'est-ce que... Il l'a vomi, elle est redebout. Attends. Non, il l'a recollé en mort. Il l'a recollé. Et il l'a remangé. C'est vraiment bâtard. Mec, lol, le respect, je l'ai mangé. Je l'ai mangé, je l'ai vomi, je l'ai remangé. Lol. Ah d'accord, c'est toi qui l'a peint pour un ami et il l'a renvoyé genre ça va pas, ouais, ça va pas je ou crois, pas ouais. Ouais, d'accord. Ok, je suis un malade. En fait, personne t'aime, ni ta femme, ni tes relations professionnelles. Il manque un tiroir. La clé, oh dégage. Il manque un tiroir, là. Tu vas me casser les couilles avec les tiroirs. Je peux pas te faire chier, mais... Je suis en train de retarder l'échéance, genre, attends, faut... Ouais, tu l'as regardé, mais vite fait, quand même. T'as un peu peur de le regarder, quand même. Je voulais juste pas réchauffer, moi. Tu sais que là, quand tu t'en vas, il te regarde. Qu'est-ce que... Il y a un truc là. Ah, ok, ça va. Et ça, on sait tout ce qu'il a fait, hein. C'est lui. Hein, tu sais où tu dois aller, hein. Tu sais exactement. Attends, où tu non, dois... je... Laisse-moi, putain. Tu sais tout à fait où tu dois aller. Marie. Ouh. J'ai envie de te faire mal aux doigts. Je me suis coincé les doigts. C'est quoi ce bordel? J'étais tranquille en train de faire du piano. Marie. Y'a quelqu'un derrière? Réveille-la! Oh putain! Oh, y'a de la musique! Fais des claquettes! Non, pas les tiroirs, non, dégage! Putain, il m'a saoulé! Les papiers! Il m'a saoulé! Eh, franchement, t'as vu comment y'a rien, c'est ouf! Là non plus! Waouh! Vous savez, je ne pouvais pas dormir, ma jambe a encore fait des siennes. C'est celui qui a une jambe plus petite que l'autre? Ouais. C'est moi ou pas? Je crois que c'est toi. Hein. Bah, et ça, c'est ta canne. Je boiterai sinon. Allez, dégage. Ah. Putain, merde, je baisse le son du jeu. Attends. Non, laisse. Attends, mais je baisse le son. Moi, c'était parfait. Dans mon casque, je veux dire. Casque. Parce que moi, c'était parfait. Okay. Moi, j'adore. Moi, j'aime ça. Non, pas celle-ci. Je sais pas toi, mais moi j'irais bien dans le bureau. Ouais, je sais, mais... Ou à la cave. Non, pas la cave. Oh. On vient de me jeter un ballon. J'ai pas envie de jouer, en fait. Hein. Va lui tu rendre. Peux pas faire un CSGO? Va lui rendre. Je vois pas. Moi non plus. Je l'ai juste entendu, je sais pas où il est. J'aimerais bien vous le rendre, mais je sais pas où il est tombé. C'est tout droit. Oh. Eh ben, c'est une chambre d'enfant là. C'est pas la moitié d'une chambre pour enfant, hein. Ah oh, putain. Dis donc. Ah. Ça va quand même. Ça m'avait manqué des tiroirs. Eh putain, les tiroirs des enfants, les tiroirs de la chambre, les tiroirs du salon. Le tiroir de papa, le tiroir de maman. Tiroir simulator. Allez dégage, c'est un hochet. C'est un hochet. Ça fait pas de bruit quand je le secoue. Oh dégage putain. Eh, j'espère que tu vas. Franchement, je meurs d'envie de te voir flipper après quoi. Tu l'auras bien mérité mon salaud. Tu dormirais avec ça, toi? Mec, je sais pas comment ils font les enfants, ça fait flipper sa race. Tu fais un tout petit peu. Oh, ça fait trop flipper. Regarde celle en haut à gauche. Mais elle me dénonce. Ouais, elle t'aime pas. Mais elle m'a dénoncé. Ok, on va au bureau non, alors. Non, tu vas aller à la cave avant quand même. Non, nique ta mère, j'ai pas à la cave. Mais t'es allé partout, y'avait rien. Ferme ta gueule, c'est toi qui joues, ou pas? Non, donc c'est moi qui vais au bureau. On est en coop, t'as j'ai toujours aussi mal à la bouche. On est en coop, et si je veux que t'ailles à la cave, t'iras à la cave. Tu vas aller à la cave, bouge pas.
Tiens, tu vas à la cave, va à la cave. Je me recule de mon siège. Va te faire enculer. Ah bah tu vois, ça c'est clair. Attends, y'a pas un petit bouton? Ah bah qu'est-ce qu'il y a? PD. Attends. Oh, ils ont pas mis la lumière. Bon bah. Ah. Ah l'enculé. Mais t'as la lumière dans la cave. Eh ben. Tu pourrais ranger un peu. Ah, fils de pute. Ah, regarde. Ah non, pas les pantins. Depuis que je suis tout petit, j'ai peur des pantins. Ah ouais, mais regarde, y'en a plein là. Regarde, le mec, il me les fait subir sur mon écran. Les rageux, je ne les vois pas. Regarde le mec. Ils sont où les rageux? Je ne les vois pas. Les rageux, ils sont trop loin derrière mes pantins. T'as cru que t'as marché sur des chips? Ouais. Bon bah, c'est rien, rien, c'est terrible. Du vert. C'est un très mauvais bulletin. Bah, il était bon en art, hein. T'as vu les notes d'art, frère? Math! Ah, c'est ça le son. Oh, frère, la musique. Frère, la musique est là, il défonce! Après, le mec, il était teubé, il était mal les notes en maths! Dispensé! C'était le genre de victime! Ah, c'était le mec qui se dispensait de sport, c'est enculé! C'est un serpent qu'il y a? Derrière, à côté, en dessous là. Oh. Ah, toi, ok, toi, change dans quel état d'esprit, t'as été un peu flippé là. Attends, derrière toi, t'y as pas été, hein, là-bas. Où ça? Là-bas, tout au bout. Ah, tu veux dire au fond? Ah, excuse-moi, je ne l'avais pas vu. C'est fermé, ok. Ah, la chance qu'il a, t'sais. Il est trop content que ce soit fermé. La porte qui se ferme. La porte qui se ferme quand tu remontes. Ok, c'est pas un jeu qui fait partie des clichés. C'est pas grave. Le mec, il est tout le temps sur ses gardes. Imagine, tu t'entends et il y a le bébé là, tu sais, le bébé barbu. Ouais, vas-y, j'ai mis la clé, tu l'ouvres. Vas-y, okay. À ton tour. Ça va, moi. Bon, attends, je me rapproche. Je lâche, c'est plus moi. Bah voilà, c'est tout. Bon, atelier. Ça s'est fermé tout seul ou pas? J'ai entendu un bruit de porte, je me suis dit. Bon, c'est fermé à clé. Ça va, il y a de la lumière. Ta gueule, tu sais très bien qu'il va se passer un truc, c'est pour ça que tu m'as laissé le faire. Ok, je baisse le son, je m'éloigne un peu de mon bureau. Ah putain. Bien baisé celle-là. C'est la mienne. J'ai pris du bon temps avec celle-ci. Ouais. La touche. Oh, encore lui. Mes cerises. Prenez mes cerises. Qu'est-ce que. Des pinceaux. Pour peindre. Du verre partout. Pour boire. Ah, j'ai des trucs trop conceptuels, hein. Ouais, je pense qu'il a peint quelqu'un et qu'il lui a mis plein de peinture dans la gueule. Ouais. Attends, on va te retoucher un peu directement. Ok, je vais retirer la toile, je vais avoir trop peur, donc attends, j'en profite avant pour faire les tiroirs. Bien vu ça. Eh bah, ça en fait de la gnôle. Oh la vache. Eh. Oh. Eh, grosse soirée. Allez. On se met nos roupes. Plein de pinceaux usagés. Voire cassés. Cassés? Ah oui, si, tous cassés. Oh, ok, le mec était trop torturé, genre il détestait ce qu'il faisait. C'est-à-dire que c'est un rageux quand même. Bon, bah quand bon, bah, y je crois aller... que t'as pas grand chose à faire d'autre que. Attends. Tu le mérites probablement. Oh, ok, donc le mec était assis comme ça. Il a peint ce qu'il y avait là. Et c'est chiant, parce que tu peux pas voir ce qu'il y a derrière la toile. C'est ça que. Enfin, derrière. Hey, Billy, tu ferais mieux de pas te planter cette fois. C'est un jeu horrible. Par contre. Mais t'es dans la merde. Moi je te le dis. Non, mais moi j'y ai joué un peu. T'es dans la merde. En vrai, t'es pas bien. Et c'est que le début de tes ennuis. Hein. Et il te l'a dit, ne te plante pas cette fois. Bon, bah je tâcherai de pas me planter. Ah non, mais te plante pas. Non, mais tu peux chercher tous les tiroirs que tu veux. C'est pas... Bon, bah je vais pas me planter. Ouais, il s'est pas planté non plus. Ok, il y a un petit problème. Ah non, c'est la bonne salle. Non, c'est pas le même. C'est pas le salon. C'est pas le. Oui, il y a un problème, non? Ouais, il y a un petit truc qui a changé, ouais. Non, c'est pas normal. Ah, disons. Putain, ils ont tout retapé, quoi. Ah. Ah, excusez-moi, vous avez. Ah, mais... et ça a encore changé. What the? Ouh! Ok. J'ai pas kiffé. Moi non plus. Ah, putain. Oh, des nouveaux tableaux. T'as vu la gueule? Ah. Oh non! Merde. Lui, il est trop fier. Edouard. Ghislaine. Il y a du sang sur le canapé. Qu'est-ce que c'est que ce banquet? C'est la grande fête. Qu'est-ce que... Il t'a jugé. Ouais, de ouf. Toi, t'es vraiment trop con. Ça en fait des tiroirs, tu vas être content. Alors attends, oui, si on cherche un code. Parce que nous, on a fait des Epic Games, hein, on connaît ces choses-là. Alors, la solution se trouvait... Vas-y. Au plafond. Non. Ah non, attends. Tente les bougies. Parfumées au lait de coco? Non, pas celle-ci, les autres. Je crois qu'ils sont inspirés de ça, les Escape Games. En tout cas, ça fait plus peur dans le jeu. Ah bah, c'est marrant ça. Tiens, une porte qui apparaît. Ouais, c'est pas banal, hein. Ah non, pas. C'était sûr qu'elle allait bouger. Toutes les rocking chairs dans les jeux d'horreur, elles bougent. C'est peut-être parce qu'il y a du vent. J'ai forcément le vent, on devrait se séparer. Eh, tu regardes, toi, tu regardes pas la chaise, c'est tranquille. Elle bouge, mais toi, tu t'en bats les couilles, tu regardes les tiroirs. Et puis il y a de la peinture. Mais j'adore les tiroirs, regarde. Ouais, je sais. Tu vois? Non, y'a pas grand chose à faire.
Ah, ça t'es sûr, putain, c'est courant d'air. Ok, donc le mec joue au domino. Et ok, il t'est perché. Oh. Oh là. Ah ouais. Oh là. Ok, je suis au milieu de tableau trop creepy là. C'est ma seule petite source de lumière. Ah, ça te fait chier, hein, on t'a bien niqué. Hein. Ils sont trop occupés à me juger, ces connards. Ouh. Ok, alors lui il me juge vraiment au point de se déplacer. Ouais, ou arrêtez. Arrêtez. Oui, yo. Il t'a jugé de ouf. Mec, il parle avec moi, il a son slip sur la tête, wesh. Tout. Ah, une manette. C'est toujours bon, une manette. Elle est swag, sa maison. T'es ouf. Moi, quand je fais ça, ça fait rien. Hein. Moi, j'ai une manette chez moi comme ça, mais t'as pas rien du tout. Ah, il me juge encore, hein. Eh putain, il t'a jugé de ouf parce qu'il a changé de position encore. Ah ouais. Ah ouais, ok. Parce que tout à l'heure, il était dans l'autre. Ça va recommencer, tu vois. Le mec, il retourne exactement là où il était. Tout à l'heure, je suis tombé là. Toute la famille. Et ils ont pas un truc spécial. Si, regarde. Ils sont un peu ouais. Blurry. Tiens, ta mère. On sait quand que je vais voir le mec qui a une petite patte. Je crois que c'est toi hein, qui a un problème de jambe. Quoi que c'est vrai, quand tu me dis je boite un peu. Ouais, il y a un truc comme ça. Je boite sur la droite quand je marche. Bien vu ça. Tu vois? Ça ferait du sens. Non. Il est tombé? Bah il a fondu. Ouais, tu vois avec sa main on dirait qu'il se rattrape. Il se rattrape la main. On peut pas passer à cause de ce gros pot. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes mains, mais je crois que j'ai fait comme ça, j'ai paniqué de ouf.